Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs était ce vendredi 23 mai au congrès 2014 de l'Association des footballeurs ivoiriens, membre de la Fédération internationale des footballeurs professionnels Division Afrique. Au cours de l'ouverture de ce congrès, qui débattra des intérêts des footballeurs africains, le ministre Le Bognon a lancé un appel en faveur des joueurs africains, notamment ivoiriens, qui peinent à professionnaliser leur milieu. La tenue du 7e congrès de la Fédération internationale des footballeurs professionnels dans sa division africaine est le signe de la prise de conscience africaine de l'intérêt que représente le football pour toutes les générations de footballeurs sur notre continent. Chers amis, ils sont nombreux ces jeunes qui aujourd'hui ne jouent que par le football pour devenir quelqu'un, comme on le dit ici sur les bords de la lagune des Pliers. Le footballeur professionnel africain ne doit pas être traité comme un esclave. Battez-vous avec force et technicité pour obtenir davantage de droits pour vos membres d'origine africaine, notamment le droit au repos après 5 ou 7 matchs sans repos. Les autorités que nous sommes avons aussi des attentes concernant des thèmes d'actualité touchant aux aspects légaux et économiques des activités relatives au football moderne. La division Afrique de la FIFPro doit aider les gouvernements africains à mettre en place les conditions d'émergence de footballeurs bien formés sans remettre en cause le droit des plus jeunes d'aller à l'école. En choisissant la Côte d'Ivoire pour les présentes assises, je n'ai aucun doute que le bilan diagnostique que vous allez faire va ouvrir à l'Afrique des lendemains rayonnants, s'agissant notamment de la gouvernance de nos fédérations nationales et de la distribution de la manne financière provenant du football mondial. L'Afrique ne doit plus être à la traîne, car l'Afrique a les hommes et les moyens qu'il faut pour relever les défis. Celui de faire des champions qui permettront à nos pays de transformer leur football local sans toujours attendre les cotisations de nos contribuables déjà appauvris par tant de difficultés au quotidien. La balle est dans votre camp. C'est sur ce message d'espoir et cet appel, tout en souhaitant plein succès à vos travaux dans un esprit de fair play, et déclare ouvert les travaux du 7e congrès de la division Afrique de la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Je vous remercie.